On ne peut pas regarder un spectacle de danse juste avec sa tête. Quand on dit je ne comprends pas, parce qu'on veut comprendre juste avec son intellect, Oui. en fait, un spectacle de danse se comprend avec son corps. C'est ce que vous dites? Mais toutes les éléments. Si vous êtes dans l'audience et vous voir un spectacle de danse, votre système nerveux accueille l'information. Et si l'information est authentique, honnête, vous êtes ouverte à ça. Si c'est pas authentique, you'll shut down. But if it is authentic, it is real, you open up your nervous system. Et alors, tu réussiras la même chose. Et toi, tu peux avoir la même expérience que moi. J'ai lu que vous avez dit que justement, à propos d'intelligence, la danse classique va à l'encontre de l'intelligence de mon corps. Mais je suis comme un bol de l'eau qui veut sortir tout le temps. Je travaille rien pour. Et alors, ça, c'est pas bien pour la danse classique. Oui, pour moi, c'est la danse qui sort de l'intérieur, mais je ne suis pas contre la danse classique. Mm-hmm. Pas du tout. Je pense qu'on a besoin de plusieurs expressions. Mais pour moi, c'était important d'aller dans une autre façon et de donner mon individualité à le collectif. Est-ce que vous diriez comme Isadora Duncan, I don't dance, I'm danced? Ah oui, c'est certain, parce que vous sentir que quelque chose, c'est quelque chose qui vous dépasse. Quand ça arrive que vous êtes dans un état, dans un absolument de bliss ou des choses comme ça, c'est certain que tu es dans un sens, tu es un peu là. Oui. Tu entres dans un état universel et de partager ça avec une audience aussi. Moi, j'adore ça. You know, I don't always get there, but to try, yes. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Je voulais justement vous poser cette question-là précisément sur votre processus. Je suppose que ce processus créatif, son inspiration et son développement a évolué avec les années, mais est-ce que vous repérez une constante et c'est profondir, c'est pas évolué, it didn't evolve as much as it just deepened. Oui, yeah? Oui. La psychologie d'une pièce crée le rythme, ça crée it creates the pattern on the floor, it creates the architecture of the piece. If you have an idea that's very clear, you have a tendency to walk straight and be in diagonals and horizontal and I'm going to get everything done. A lot of horizontal movement going on in dance these days. A lot of heads screwed on. Everybody knowing what they're doing. Mm. You know, I love it when you get the ecstasy thing, let the head go. Also, in an ecstasy, you would have more fall and recovery. Mm. You would have more, maybe you would know the beginning, maybe the end, you wouldn't know. This would be vague. That would be in a piece that's more intellectually oriented, your patterning is more precise. You can construct. So you start with the first piece, then the next move, then the next move, then over here the next move. You know. So I find that the psychology creates the way of creating, the amount of time it created, and the architecture of the piece. So each piece is different depending on what the source desire is. La prochaine étape se fait aussi à l'Agora. Et on est en pleine création maintenant. Chose tout à fait nouvelle. Oui, oui. Pour moi, la chose la plus importante dans ça, j'utilise les fils, toutes sortes de fils. Et c'est l'idée de la présence, l'absence. Mais dans le moment où on est now, il y a une mémoire, mais il y a aussi une connexion, une mémoire de ce qui vient. Et quand on est jeune, on pense que ça, c'est quelque chose de très, très tactile. Quand on est plus âgé, on pense que peut-être c'est dans l'avenir ou peut-être c'est dans la prochaine vie. Quand j'étais jeune, j'avais un phare qui était formidable, mais il manquait quelque chose de raffiné. Il y a toujours un pierre qui n'est pas là dans notre édifice, un désir qui n'est pas là, la présence d'absence, une ombre, une place pour l'esprit d'entrer.
il y a une trajectoire dans ma carrière, plus sauvage, plus raffinée, blablabla, et maintenant un nouvel état d'être plus âgé. Okay? Il y a cette trajectoire. On va voir ça là, sur la scène de l'Agora. Oui. Donc, vous n'êtes plus un bol avec de l'eau qui veut sortir du bol. est-ce que l'eau est dans le bol maintenant? Non. Peut-être le bol est dans l'eau. Oh, oh. Oui, probablement.